minutes, là, j'ai entendu la Guyane française. Juste avant, là, quelques secondes avant de démarrer la vidéo, l'Uruguay. La propaganda. Et 73-51 Toulouse de la part de 14 km 33-01 d'Andy 33, la planète Sibi francophone. Je n'ai pas compris d'où il appelait, mais ça avait l'air d'être loin. C'est pas épais, mais il y a du monde qui appelle derrière. Thank you.
CQ, CQ, CQDX. Appel de 14 km 3301, opérateur Rémi en mobile sur le sud-ouest France. Et qui vous propose un QSY sur le 27505. 27505, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, QTH Saint-Émilion. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sud-est de France, QTH Saint-Émilion, qui vous propose un QSY sur le 27505. 27505, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, QTH Saint-Émilion. Je dis Saint-Émilion, mais bon, c'est à quoi? C'est à 2 km là, sur la droite. On ne verra pas sur la vidéo, mais là, c'est bien éclairé en ce moment là, sur la droite. Alpha Tango 032, CQ, CQ.
CQO, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France. QTH Saint-Émilion Libourne, qui vous propose un QSY sur le 27-505. 27-505, c'est parti pour moi. CQO, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France. Les 73 Pierre-Michel, oui, enregistrez le break derrière. Les 73 Pierre-Michel. Un grand merci à toi, Pierre-Michel. Et bien là, je suis sur la route du pro. Il y a eu un break aussi derrière, avec ta permission. On va le faire rentrer en avant le break. Ah, ça passe plus. Il y a eu un bref break derrière. C'était un CQRP là, de mon côté, mais bon, je l'ai quand même entendu. Bon, c'est pas grave. La station située toujours derrière et que ça arrive simplement plus à passer de mon côté. Les bases 73-51 à toi de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi. Dundee 33 en mobile sur Libourne. Et à la prochaine, en de meilleures conditions. Retour à toi, Pierre-Michel. Vu là où je suis passé, là, j'étais un petit peu perdu, là, j'ai pas eu rejet de tout ce que tu m'as dit. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je suis sur la route du Brou, là, je descends là, du côté de Bassins, en baisse, dans ces coins-là. Là. Ah, ok, bien. Ok, les 73 à toi, profite bien de la propague et bonne soirée et bon week-end.
435, 4 de 4e, 3 de 3e, 5 de 5e. QSY 435, merci. CQLX, appel de 14 km 33, opérateur Rémi, en Maubisse au sud-ouest de France, QTH Libourne, qui me propose un QSY sur le 27 505, 27 505. CQLX, appel de 14 km 33, opérateur Rémi, Dundee 33 en mobile sur le sud-ouest de France, QTH la rocade de Libourne. Mais c'est pas grave. Prends appel. 14 Foxtrot Uniforme 18, le département de la Gironde appelle. 14 Foxtrot Uniforme 18, QSY 27430. 27430, 430. Je vais les deux,
dure longtemps, à mon avis. Hein. Moi, je vois le bien. J'ai pas besoin de balancer 20 watts pour qu'ils en fassent et quelques. Il suffit que j'envoie 50, 60, ça suffit largement. Et ça marche tout aussi bien que d'envoyer la purée qui après provoque des distorsions. Enfin, après, c'est dégueulasse, quoi. J'en suis presque sûr que c'est ça, quoi. L'école doit peut-être trop envoyer. Peut-être pas envoyer trop, mais une fois que c'est à fond, le Lincoln doit avoir une radio dégueulasse. Donc ça, amplifié, justement par ton ampli, fait que ça sort dégueulasse à la fin. Ouais, il me semble avoir entendu kilomètre 3301 ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ça les qualifie. Je crois que c'est Rémi derrière là, en mobile, sûrement. Le S63, j'ai juste fait break, c'est tout, pas plus. Hein. Les 73-51, Dolu 33, les 73-51, Doudou que j'entends dans le lointain derrière, de la part de 14 km 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33, dans le bout de la rocade de Libourne, pour attraper la nationale 89 en direction du Pro, du côté des quais de Bassin, ça en baisse de ce côté-là. Ok Rémi, je t'entends, ouais. Mais tu vois, je pensais que tu allais rentrer à la maison. Et en fait, non, tu pars de la maison, tu vas au Pro. Par contre, Jacques, il y a de suite, c'est pas Ludo, c'est Frido. Oh, zut, désolé. Et pour une fois que tu passes bien de ce côté-ci, là, mais c'est bon, en plus la voix est presque la même. La façon de rigoler est évidemment différente. C'est un petit détail que j'ai pas fait gaffe sur le coup. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est de toute façon, c'est pas bien méchant. Merci de m'avoir fait rentrer. Ouais, alors par contre, c'est très difficile à t'entendre par moment. On sent que t'es en mobile. Toi, j'essaie de parler pas dans le micro pour que tu m'entendes. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin. Mais j'ai l'impression que t'es tellement loin que voilà, j'essaie de me faire entendre. C'est rigolo. Je repasse le micro à Doudou parce que toi, tu l'entends, mais je sais pas si lui t'entend. Voilà. Donc, retour à toi de tout pour voir si tu entends notre ami Rémi. Et Doudou, c'est très très QRP aussi là de mon côté. Hein. D'ailleurs, pour info, là je suis en train de faire une petite vidéo. Et là tu verras, j'irai la mettre là sur ton groupe et tu verras que là c'est vraiment QRP. J'ai le volume qui est quand même pas mal monté. Ça me casse un petit peu les oreilles, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Le plaisir de la radio est de toute façon là, peu importe le volume qu'il y a, un chi. Et c'est grâce au volume que j'arrive à te sortir. Hein. Sinon, c'est vrai que c'est assez QRP là, Doudou. Hein. Qui reprend, je me sens que t'as arrêté de parler là. Ouais, mais ça passe quand même. Hein. mais je suis content de t'entendre parce que c'est tellement rare de choper en mobile. C'est toi qui es venu dans le QSO, non pas l'air. C'est tellement rare, voilà. Je suis bien content. C'est cool. Et en plus, cerise sur le gâteau, on est filmé. excellent. Bon, si j'ai bien compris, tu pars au Pro, donc on t'a pas senti le national. Voilà, j'en déduis que, ok, bon, écoute, hein, ce sera une prochaine fois, enfin, tu me confirmeras hein, au prochain retour. Voilà, bon, mais c'est rigolo parce que vous entendez quand même, pourtant ça fait une trotte, hein. Ça fait 5 pétrottes entre Doudou et toi. Moi encore un peu moins, ça peut être à la limite entre vous deux. Mais là j'ai un peu de confort, hein. Je ne suis pas aperçu de suite, parce que j'ai
pas l'habitude de regarder la pareille à raquette là sous le bureau, mais je sentais un peu de chaud là, sortir de dessous le bureau, et je me dis, ah putain, merde, c'est la seule façon de voir qu'il a enclenché, hein, c'est qu'on entend le chaud là, qui monte en dessous du bureau, c'est rigolo. Bon, comme ça, en même temps, j'irai sur la vidéo, c'est cool. Ok, mais je te repasse le micro là, Rémi, je suis pas plus long, parce que comme je n'étais pas en train de conduire, voilà, je te salue bien, en tout cas, ça fait bien plaisir, voilà, retour à toi, Rémi. Ok, merci pour le retour. Alors la vidéo sera pas travaillée cette nuit, mais demain après-midi. Voilà, car maintenant, la suite à ma connerie, il y a quelques mois là au niveau ordinateur, mon ordinateur principal est entièrement sous Linux. Et les logiciels vidéo que j'utilise, j'ai pas trouvé vraiment à tout point de vue d'équivalent sous Linux, et celui-là il est sur Windows, donc sur l'autre PC que j'ai au QRA. Donc je m'occuperai de ça là, demain après-midi. Voilà, et tu peux être tranquille, quels sont radio, là c'est du feutre, c'est du velours. Ah oui, là c'est vraiment très très propre hein, au niveau radio. Hein. C'est ça qui est bon. C'est que j'ai bien travaillé de mon côté. Retour à toi de tous ces gens-là. Ah oui, t'inquiète, j'arrive à sortir un petit peu plus. Je suis lundi là. Voilà, c'est lundi, il m'entend bien, je suis lundi, il m'entend bien. Je suis dans une vidéo là, je suis trop cool, là, retour, c'est bon là, tu me diras. Oh, il n'y a pas de raison qu'ils t'entendent, hein, qu'ils t'entendent pas. Ça passe tout à l'heure, donc ça va continuer à passer. Surtout que là, bon, en plus, c'est dommage que j'ai passé la vidéo avant, on aurait vu la différence entre les deux postes. J'ai constaté le changement, là, juste avant qu'il arrive. Bon, là, déjà, tu verras que moi, je me couvre trois fois cette vidéo, là. Ça me fera un petit support pour nous rendre un peu. Mais j'ai une autre photo à mourir, comme ça. C'est une bonne, comment dirais-je, un bon support. Voilà, voilà. Ok, merci pour le retour. Ben, si tu veux faire un changement de poste rapide, là, vas-y, profites-en là de suite maintenant, présentement. Ouais, voilà, profite justement là que je sois là sur la route, que j'ai une vidéo en cours, je suis en train de regarder. Ouais, non, mais c'est bon, là, ça tourne. Il n'y a pas de problème, hein, ça peut être mis dedans. Et demain après-midi, là, je m'occupe du montage. Donc là, je suis sur la Nationale 89, dans la descente pour arriver là au petit village La Poste. Donc là, dans quelques secondes, je vais être dans le trou, je risque de perdre un petit peu tout le monde. Sur 2-3 minutes. Et j'ai trouvé beaucoup mieux là au niveau radio, puis donc pareil au niveau radio, c'est vraiment excellent. Et voilà, donc on se demandait si c'était soit une attaque de l'ampli trop fort, si le Unicode par exemple. D'avoir des QRM sur lui, ce qui fait qu'il m'a un peu perdu. Si tu pouvais être amplifié par l'ampli, voilà, ça peut être de neige pour sortir une radio dégueulasse. Voilà, et après, dans ce domaine-là, tu connais pas grand chose. Bah, apparemment, il n'y a pas l'air très motivé là pour remettre l'autre poste, pour refaire un nouveau test. Mais c'est pas grave, c'est pas méchant, on s'en fiche. Allez, retour Fredo. Là, t'es avec le Lincoln. Putain, mais ça, on dirait que ça a chuté. Bon, on va pas chipoter sur le calage en fréquence, on s'en fiche. Parce que bon, je t'entends un petit poil plus aigu, c'est pas bien méchant. Mais par contre, ça passe un peu moins fort, là, de mon côté. Hein. Ah,
Ouais, bah oui, bah ça m'étonne pas, parce que là, c'est vrai que là, je t'ai clarifié, donc là, c'est bon, j'étais comme il faut, là, au niveau réception de mon côté. Ben, j'ai dû jouer un petit peu du clarifier pour te retrouver un peu, quand même. Bon, pas bien méchant, hein, trois fois rien. Mais bon, on sent qu'il y a une petite différence et ça percute moins, là, avec celui-ci. Ça, tu m'arrives moins fort, là. Ils ont une différence de voix tous les deux. Haché. C'est mieux là. Bon, après, sur le poste, sur la station X, au calme, ça ne change pas grand chose. Après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais en mobile, ouais, une modulation un peu plus aiguë, prendre la scène. Ça aide, c'est sûr. Mais moi, personnellement, là, je la trouve. Un petit peu dégueu quoi, au niveau de la radio, là, de motivation, ouais. Je préférais quand même l'autre, là, je trouve que c'est plus percutant avec l'autre, et beaucoup plus propre, voilà. Alors je sais pas sur la vidéo si tu verras la différence bien, bon je pense que si quand même un petit peu, tu t'en rendras compte sur la vidéo à Rémi, enfin voilà, je te repasse le micro de tout à toi. Moi j'y crois pas. J'ai une question là dans ton camion, là, le Lincoln, tu le mets en direct sur l'antenne quoi, sans passer par l'ampli. Affirmatif, là je viens d'arriver en plein dans les QRM du côté de la sortie 26. Voilà, donc là j'arrive sur Bordeaux. Là j'arrive à la hauteur des feux là, de la sortie 26 sur Bordeaux pour attraper après direction les quais de Bassins en passant par la côte de la Garonne, la côte de la Jetée quoi. Ok, je vois pas trop, c'est 26. Sur le nord de Bordeaux, ça je crois, la 26, j'essaie de me repérer un petit peu, hein, je pense que je vais dire au prochain retour. En tout cas, ça passe quand même, ça se trouve ici, à 5-2-3, bonne radio, hein. Je suis même un petit peu étonné, voilà. Enregistrer le break, bien sûr que j'ai la boîte de mirror qui est enclenchée derrière, affirmatif. Vu la distance, ça passerait pas aussi bien. Quoi. Donc la sortie 26 est juste à côté des deux stations totales là, sur les quais, n'importe quoi, les deux stations totales sur la rocade. Donc tu vois la sortie 27, l'Ormont, les deux stations totales qui sont en vis-à-vis, et juste à côté tu as la sortie 26. Ce sont très amitié, je sais pas.
si j'ai pas une radio dégueulasse, j'espère que non. Amitié Rémi, amitié Fredo et Zozo d'ailleurs. Il y a des soucis avec son Lincoln. LV 131 si je me trompe pas, c'est pas évident pour raccorder tout ça. Je sais ce que c'est, je suis passé par aussi. J'espère que ma radio est pas trop dégueulasse. Voilà, Fredo, retour au micro. Vous n'avez pas l'ensemble, c'est 113, c'est pas. Oui, ça arrive, c'est pas évident à courir tout ça. J'avoue, je crois que ça soit plus compliqué qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a un fonctionnement. Ouais. Et pour radio, là, c'est pas un excellent radio. Des canaux, des câbles, c'est un petit peu haut. C'est fascinant. J'ai jonglé entre l'un et l'autre. je viens, j'aimerais avoir ce qu'il y a de nous. Je confirme, hein, moi j'aime bien, ça percute là, hein, sans trop de distorsion. Hein. Et puis ta voix est quand même plus naturelle, je trouve. Avec ce micro et ce poste-là. Voilà. Donc pour moi c'est parfait avec ça. Je vais passer une fois Stéphane pour voir si c'est pareil de son côté, si il trouvera une différence. Je pense qu'il a dû entendre ce que ça donnait avec Lincoln tout à l'heure. Et puis il tira sa version, voilà, vaut mieux deux qu'une. Ok, Stéphane qui reprend, oui, je confirme, il a raison Fredo là. C'est meilleur avec le 360 FM, c'est vrai quand tu passes sur Lincoln, t'as la tendance à ça parle comme ça. Moi je suis avec un Lincoln aussi actuellement. Je suis aussi avec un Lincoln pour l'instant, j'ai pas encore le décal métrique, il faut attendre encore un petit peu, à chier. Et il y a l'Alpha Lima aussi derrière, mais pas un tube, hein, pas un transistorisé, voilà. Mais c'est vrai que quand tu mets le 360 FM, la radio est meilleure, les espoirs meilleurs et on t'entend beaucoup mieux du tout. Donc pas de problème. Allez, tu renvoies le micro de moi et tu vois tourner sur Rémi derrière, ok, le retour. Ok, y'a pas de soucis, hein. Ah, je sais pas. Pourquoi ça fonctionne pas là, mais bon, on verra bien. Allez, bonjour Rémi, prends le micro. Ok, voilà, je suis dans la descente de la côte de la GT, voilà, en direction du Port-Autourne de Bassins. Les 73, Stéphane. Alors, puisque tu te posais la question au niveau de la radio est propre, claire. Elle est dans les médiums. Oui, voilà. Je tourne en rond juste pour dire ça. La radio est surtout dans les médiums, donc ça doit certainement venir de la conception du micro, j'imagine. Ok, Stéphane qui reprend ça, MB+4, hein. Y a rien d'extraordinaire, un micro de table MB+4 qui est à 2 actuellement, et je suis pas trop près du micro non plus. MB+4, voilà, pour l'instant, on attend le reste. Pour l'instant, j'ai fait avec ça. C'est vrai que c'est pas évident, mais moi avant j'avais une Galaxy Saturn que j'ai toujours d'ailleurs, et ampli à lampe aussi que j'avais, et j'avais du mal à accorder tout ça à chaque fois, j'avais des retours HF, c'était un peu le merdier, donc, et puis là, j'ai fait l'acquisition d'un Lincoln qui est prévu logiquement pour le push, et comme j'ai pas reçu le décamétrique, je me sers du Lincoln pour l'instant le temps d'avoir le reste. Voilà Rémi, c'est MB+4 le micro, retour Rémi. Ah, il percute, hein. Ah, ça, il n'y a pas à en douter, hein. Celui-là qui dit qu'il t'entend pas, tu lui diras bien des choses de ma part. Non, mais là, c'est vrai que là, ça marche bien, ça pousse, hein. Mais pourtant, il est cadeau le micro, c'est tout. Oui, non, mais ça, je te crois, mais c'est bien suffisant. Là, il n'en faut pas plus, parce que après, ça partirait dans la... dans tout ce qui est distorsion, ça bavrait sur les fréquences, et tout. Là, il n'en faut surtout pas plus. Hein. Je garde l'information derrière mon oreille, t'as bien fait de me le dire, même pas, il y a un micro là. Il est qu'un, tu vois, je sais qu'il faut pas que je le pousse trop. Hein. Bah, c'est si je le montre trop, je le vois là, sur le Lincoln, je regarde la marque mode, modulation, tu vois, c'est le barème entre 1 et 9 là. Et je sais quand il est trop haut, c'est après la radio va être dégueulasse. Voilà, bon retour Doudou, je vais pas vous oublier la fréquence, Doudou, retour. Là c'était un peu écrasé au dernier passage. Putain, la veine scotchée là, sur le vas-y branche-le, il n'y a pas de souci, on est là, on te dira. On est plusieurs en plus, donc chacun pourra te donner son avis.
ne fera que mieux. Ouais. Je serais même avis d'apporter un micro à Stéphane, de faire attention de ne pas trop pousser, parce que là, à mon avis, ça sera vite. Ça partira vite dans le. Comment dirais-je. Le truc est dégueulasse, quoi. Ouais, ouais, c'est toi en plus, on a vu son derrière, mais en fait, C'est un des premiers modèles, je sais pas quelle année il est exactement, je sais qu'il a un petit peu, quand il est froid, il décale, ça je le sais, bon là actuellement il est chaud, je sais que, bon il est à la maison, hein, mais si je laisse trop longtemps éteint, le matin quand je m'arrive, je suis complètement à côté, je le sais, il a tendance à décaler, là il doit pas trop être mal. Moi, avant, j'étais habitué au décamétrique, hein. J'en ai eu trois, mais bon, pendant un certain temps, j'ai tout revendu, raison personnelle, et je refais avec ça. C'est un peu l'inconvénient, mais bon, on fait avec ce qu'on a. On fait pour l'instant comme ça, c'est très vite changé tout ça. Non, c'est les premiers modèles. Les premiers modèles, je m'en plains pas, moi, j'ai pas trop ce qu'on m'en plaint. Et j'en suis très content, voilà, ça m'a suffi pour l'instant, l'antenne va changer aussi, bon, la carte bleue va chauffer, on va se calmer un peu, on va attendre un petit peu. Voilà, j'envoie le micro présent et tu pourras tourner des fois que l'eau douce soit revenue. Ok, je me dis, ça va la version 1, ouais, je n'ai pas trop la version 2 personnellement, hein. Moi je quitte la version 2, pour tout le monde. Alors, je continue à prolonger un peu la vidéo, ok, il n'y a pas de problème. Ben là, je t'entends bien, ça passe bien, ça percute bien. Je ne t'ai pas recherché un petit peu en fréquence, mais là, c'est un petit peu aigu de mon côté, mais ça passe bien. Hein. Voilà, pour te situer le QTH, je suis pas très loin, un peu après les silos à grains là, que tu as là dans le bout là, des quais de bassins.
Donc là, tu vois la distance. Là, je suis en ce moment de ce côté-là, là, dans les environs des trucs de pétrole, dans ces coins-là. Là, je suis dans ce secteur-là pour te donner une idée de la distance. Ah bah, ça fait une trotte hein, déjà, Rémi. Hein. Ça fait une bonne trotte. Hein. Y a pas de souci, hein. Je te copie déjà un peu mieux avec celui-là. Là. J'arrive à tomber un petit peu mieux. Là. Mais bon, on verra bien. Retour chez nous. Oui, merci du retour, Tatou. J'ai vu passer, pas un gros midi, mais un gros signal. Là. Ouf, ça a tapé dans l'eau rouge. Bonsoir, cher voisin. Juste une parenthèse, bon train, Stéphane. Hein. Tu passes sur la pointe des pieds, là, au plaisir. Et puis, l'autre parenthèse... Rémi, je te perds presque là, tu me chatouilles le S-mètre là, j'ai même pas une loupiote qui s'allume là. t'es au bout là, t'es au bout des quais, tu m'as dit, mais là t'es au bout pour moi, là. Je t'entends presque plus. Ah, c'est marrant parce que le zoo qui a deux fois plus loin, j'entends, c'est curieux, hein, comme quoi. Hein. Mais je repasse le micro à mon cher voisin là qui m'a tapé dans le rouge. Ok, 73. Heureusement pas longtemps, c'est pour faire un petit coucou à tout le monde, à Yannick, sur Cabanac, voilà. Ah, 73 de la station, ça passe fort. Oh, et 100 watts sur un 940, voilà, sur Cabanac ailleurs. Ok, pour Cabanac, y'a pas de souci, on a l'opérateur Doudou, là, sur sa main, il y a à côté de Ostens, le Barpe, Socat, c'est tout ça, là. Ah, bah, ça passe très très bien, là, y'a Rémi qui est loin, mais je l'entends, moi. Ok, j'ai bougé un peu, les 73 de Stéphane qui est passé en QRT, et bon week-end. Les 73 de la station qui vient d'arriver, ça y est, j'ai déjà n'importe quoi. De la part de Dundee 33, en ce moment, en mobile arrêté dans le bout de bassin sur les quais, ou à côté des quais, c'est-à-dire pas très loin là, des silos à grains. Voilà, j'ai bougé un petit peu, Fredo. Hein. Voilà, j'ai reculé bien d'une dizaine, d'une quinzaine de mètres pour voir si ça passe mieux de ton côté. Hein. Ah non, c'est bon, je m'entends, je vais pas avoir des S-mètres, hein, je tourne la tête là sur le SDR. J'ai pas vu le SDR, mais je t'entends. Dis donc, cher voisin Yannick, on t'entend pas souvent en fréquence. Hein. c'est pas un reproche, hein. Loin de là, mais non, c'était quand même plaisant d'entendre. Un voisin en plus. Il n'y a pas de souci, hein. Mais j'ai un petit en bas âge, donc j'ai vraiment pas le temps. Entre le boulot et lui, donc voilà. Ouais, je comprends, j'ai la même chose à la maison. J'ai fait un petit effort ce soir, mais comme quoi, tu vois, ça porte ses fruits parce que du coup, on a été 1, 2, 3, 4, 5, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, Rémi, notre cher Rémi international que tu connais, peut-être. Oui, j'ai déjà entendu, ouais. Bon, mais c'est parfait. Je l'entends loin, ouais, sur Silo Grain, sur Bordeaux, c'est ça? Ouais, affirmatif, c'est route de Saloubès, hein, ni plus ni moins. Voilà, je suis aussitôt après là, les grands silos à grains là, qu'il y a là, sur les quais de Bassins. Il y a un grand rond-point là, qui est aussitôt après. Ben, je suis garé là, dans une petite rue là, qui est dans ce secteur. Je suis pas très loin du pro, je suis un peu en avance. En plus, là où je vais ce soir, c'est la première fois que j'y vais, je ne connais pas du tout le site. Donc je suis largement en avance. Mais bon, c'est normal, le temps de prendre des consignes, qu'on fasse le tour et tout, et tout, et tout, et tout. Il faut au moins ça. Ok, ben de mon côté, ben c'est tout le monde qui passe bien. C'est pour ça que je suis un petit peu étonné de Fredo, que ça passe un petit peu petit de ton côté, parce que là, tout le monde passe bien avec un bon signal. Moi, ici, là, sur le QTH, ben, je suis à côté, c'est quoi, les docks de pétrole, un truc comme ça, de carburant. Je suis juste là à quelques mètres de ça, quoi. Ouais, retour Fano. Bah, excuse-moi, j'ai entendu Fredo là, juste le dernier mot, je suivais pas Rémi. Désolé. Je sais pas ce que tu disais là, je peux pas te répondre. je suis confus. Il doit avoir des QRM chez lui. Oui, je voulais te poser la question, Yannick, je te trouvais vachement décalé. Pourtant, il me semble que de ton côté, ouais, t'es quand même avec. Il doit avoir des QRM. Si ma mémoire est bonne.
Oui, non, mais là, il est froid, là. Il n'y a pas de TC ISO sur celui-là. C'est un vieux 940, de 1989. Donc là, je me suis mis sur 0,0, mais je sais qu'il n'est pas froid, il n'est pas chaud. Encore une demi-heure avant qu'il soit à la température, le poste. Je venais juste de l'allumer. Ah d'accord, ok, tout s'explique. Ouais, ouais, il n'y a pas de TCXO, pardon, 940, je vois, ouais, je ne sais même pas si c'est Yazoo, Kenwood, si sûrement Yazoo, je crois. FT, ouais, c'est Yazoo. Ouais, FT, c'est Yazoo, ouais, affirmatif, hein. C'est quand même, et que tu as du QRM de ton côté, là, Fredo, c'est pas possible. Ok, 73, retournez, bonne soirée. Salut Yannick. Écoute Yannick, merci du petit coucou. Ça fait plaisir. Je me suis posé la question plusieurs fois. Tiens, c'est bizarre, je n'entends non plus le collègue de Cabanac. Comme quoi, tu vois, hein. C'est rigolo. Je t'entendais ce soir, donc voilà, c'est bon, je pourrais rayer sur mon petit cahier. Ne pas avoir entendu Yannick. En tout cas, c'était bien plaisir, voilà. J'espère qu'on s'en... soirée, et puis le bon... la bonne fin de week-end, là, pour demain. Toudou, ouais, je sais pas ce que tu me disais, je m'en rappelle plus. Et 73, bye. Y a pas de souci. Allez, 73, bientôt, Yannick. Si je comprends bien Rémi, t'es toujours en avance pour aller au boulot, hein. Attends, je suis en train de reculer un peu plus. Je vais essayer. Attends, j'ai du monde qui arrive. Je vais essayer de me dégager un petit peu là des silos, pas des silos, n'importe quoi, là, des réservoirs là, qu'il y a là. Pour être un peu mieux dans le champ de. Ouais, je pense que là ça devrait le faire. Après je serai trop près du rond-point, ça va pas le faire. Donc non, je m'avance pas plus. Oui, je suis toujours en avance, moi. Bon, là un petit peu plus que d'habitude. Ouais, donc je suppose que t'es en avance pour faire des vidéos, quoi. C'est la bonne excuse, hein, c'est ça. Tu savais que ce soir il y avait du monde en fréquence, donc t'as fait exprès de partir en avance, et même très très, très bien en avance pour pouvoir faire cette belle vidéo. Il est malin, ce Rémi, il est malin. Voilà, donc là je pense que ça devrait mieux passer. Ah ben la vidéo, alors toi, moi ce que j'aime bien, c'est sur la route. Voilà, comme ça, au QRA, c'est con ce que je veux dire, mais c'est presque devenu trop commun. C'est, bon, t'as le poste devant les yeux, tu te balades sur les fréquences, ok, ça, ceci, cela, ok, c'est bien sympathique, on tombe sur des trucs un peu inattendus, et ainsi de suite. Mais là, tu as l'effet de la route en plus qui est là, et qui rend le truc encore un peu plus sympa, quoi. C'est vrai que, voilà pourquoi j'ai une préférence en mobile. Ah, je suis désolé Rémi, je t'entends pas, merde, alors ça c'est con, hein. J'entends parler mais j'arrive à décoder un mot sur trois, je suis vraiment, ça me fait chier, sur la fin du QSO comme ça de se perdre, alors qu'on était bien parti là, bon c'est comme ça, hein, c'est les aléas de la radio, Doudou je suis sûr qu'il t'entend mieux que moi, il est deux fois plus loin, ça aussi c'est rageant. Bon, écoute, hein, je suis désolé à toi, Doudou, parce que moi, le Rémi, là, je peux pas. T'as du QRM chez toi? Ouais, ben, je l'entends moins bien avec le 360, là, qu'avec le RCI, là, tu vois. Au niveau réception, l'autre, il doit t'en raser un peu mieux, là. Retour, Fred. Eh ben, écoute, il va falloir que tu fasses un petit système, là, de relais, là. Tu vas te mettre le Lincoln, là, en réception. Enfin, l'autre en réception, et avec un relais là qui commute quand tu passes en émission, mais sur l'autre, sur le FM. Ah bah, il va falloir que je regarde ça là.
t'as bougé ou t'es toujours à la même place là? Ah ben, je me suis rapproché du rond-point, donc je suis censé être un peu plus dégagé. Ça n'a pas l'air d'être aussi évident, quoi. On dirait que ça a l'air d'être l'inverse. Ouais, moi j'ai l'impression en fait que ça fait l'effet inverse. Et, j'ai entendu que tu as dit rond-point, mais monte sur le rond-point. Peut-être que là, ça sera vraiment la solution. Là. Monte sur le rond-point et là, c'est bon. Ok, voilà, bon, je suis en train du coup de réavancer un peu plus, je repars dans l'autre sens, que je vise un petit peu comment c'est foutu, ouais, voilà, là, est-ce que ça va mieux là? En fait, c'est pire, j'ai compris que tu m'as demandé si c'était mieux ou pas, mais c'est vraiment pire. À mon avis, je pense que tu devrais pointer le capot, alors attends, que je dise pas de conneries, donc le capot plein sud, voilà, capot moteur plein sud, voilà, je pense que la voiture a quand même un effet directif, enfin je suppose, donc capot moteur plein sud et c'est bon, enfin sud, attends, du côté là-bas, je dirais sud-sud-ouest. Ok, là, est-ce que ça va mieux là maintenant? Ouais, c'est quand même un peu mieux, oui. Bon, d'accord, ok, je me suis un peu éloigné des silos. Ah oui, je les aperçois dans le lointain, là-bas, les silos à grains. Je vise entre deux réservoirs, on va dire, pour avoir un peu le champ libre. Ok, bon, de toute façon, la Villeur, je vais pas tarder à QRT. Puis, Fredo, tu dois avoir du QRM en même temps un peu chez toi, non? Non, pas spécialement de QRM, hein. Non, je suis simplement pas très généreux, moi, de mon côté, niveau réception. Hein. Je suis gêné par la végétation, là, je suis en plein milieu des bois, donc voilà, hein. J'ai mon antenne qui est patriote, dans le tout, une réception un peu pourrave, quoi, tout simplement, hein. Donc dès que mon correspondant est un peu machiné, enfin voilà, quoi, c'est vite perdu de mon côté, hein. C'est tout à fait normal, voilà, mais comme je te dis, je suis pas très généreux niveau réception. Niveau SMET, moi, quand je fais les reports, c'est rare quand je tape dans le rouge, hein. Des zones comme ça, c'est pas mon voisin qui est à 50 mètres de moi, mais c'est tout, hein. Sinon, c'est très petits signaux que j'ai là, de mon côté, sur le 11 mètres, hein, je parle. C'est comme ça, voilà. J'ai beau changer de matériel, d'antenne ou quoi que ce soit, c'est comme ça. C'est le QTH. Peut-être qu'un jour, où je monterai le pylône et que je mettrai l'antenne à 20-25 mètres, là, ça changera quelque chose, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Voilà, bon. Après, j'entends, mais c'est pas... voilà. Pourrait y avoir mieux, j'en suis sûr, hein. Mais c'est frustrant, hein. Je te garantis que c'est frustrant, hein, parce que quand t'as un putain de décamétrique, du bon matériel, et que tu te retrouves un peu coincé dans cette situation, je te garantis que c'est frustrant, hein, par moment. Je peux te dire que quand il y a la propague, je vois les choses différemment et je me régale, quoi. Que là, quand même pour du local, on va dire, c'est même chiant, fatigant, voilà. C'est comme ça, vive la campagne et vive les bois. Ouais, non mais ouais, il y a des QTH comme ça où, voilà, c'est comme ça, ouais, comme tu dis. Par contre, je suis en train de voir des heures. Là, il faut vraiment que je me décide. Alors, j'ai envoyé les 2713-51 à vous deux, ainsi qu'aux éventuels écouteurs. Je vous dis bonne continuité de QSO et à la prochaine fréquence. Ok, Dandy, 73, Dandy, bon pro, bon courage pour cette nuit là. Peut-être pas demain matin, je sais pas si tu seras là au QSO demain matin. Hein. À mon avis, peut-être pas, tu seras peut-être un bobo, hein, je pense. Hein. Donc 73, Dandy, hein, merci du passage, hein, ça fait toujours plaisir là, de t'avoir en fréquence, mon petit Dandy 33. Là. C'était 14 PAT 357, le parateur bobo là, sur Bordeaux. 73, Dandy. Ok, ben je termine à 8h demain matin. Alors tu penses qu'à 10h, je vais certainement avoir autre chose à foutre. Ah, chier trois coups. Ok, les 73-51 de la part de 14, kilomètres 33-01, opérateur Rami. Et je m'en étrangle. En mobile arrêté pour le moment sur le bout de Bassins, le bout des quais de Bassins, pas très loin du pro. Et merci, bye bye. Ok,
Ok Rémi, bah, écoute, ça fait grand plaisir de t'avoir là comme ça ce soir sur un QSO improvisé là. J'avais même ma fille qui braille derrière, qui est contente. Donc, je t'envoie les bons chiffres, le bon courage là pour la nuit de pro. Et puis écoute, au plaisir, voilà. J'en suis presque même tout ému. Allez, 73 et à la prochaine, Rémi. Il va nous les verser la petite larme. Ok, merci. En plus, hein, je vois 19h35. Allez, ce coup-ci, c'est bon. J'ai pas mal bouffé mon avance. Bonne continuité de QSO. Bye bye. Merci à plus. Ouais, merci du passage. Ben, je t'entends super bien, Dundee. Ça passe très bien là, au cœur. C'est nickel. Bouge plus, reste là. Qu'on peut mettre un piqué là, comme ça, ta position pour la prochaine fois. Là, j'ai trop un coup là. Allez, bon pro 73, Dundee. Bon courage. Ok, merci, bye bye. Ah, c'est pas con, t'as un petit point sur une carte GPS là, c'est pas bête ça. Sur les petits points où tu modules de temps en temps comme ça, qui passe bien, c'est un truc à faire, ouais, effectivement. Bon, Doudou, moi aussi, je veux pas me faire plus long, je vois l'heure et je vois mes petites femmes qui sont passées à table, donc je vais faire pareil. Je te dis peut-être à tout à l'heure, voire à demain, et puis bon appétit, voilà, je coupe les émissions là pour le moment, je vais manger, il se fait faim, et c'est l'heure. Allez, à plus tard, Doudou. Ok, Fredo, allez, bon courage, bon gastro, et amitié au QRA, là.